J'aurais pu croire Misfe Kalom et Khalilinan Shapta. J'aurais pu croire, ma pitom, que toi tu vas à Oucha en disant, mais là-bas, il y a un type qui le connaît. Et peut-être qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il est parti Shabbat. Peut-être qu'il n'est pas là. Arrête, Misafek, tu mets le Shabbat. Comme un chevalan qu'on a mis le Shabbat. Atkan. Kata ou là. Donc en deux mots, récapitulons la chose. Il faut deux témoins pour être Mekadesh le Chodesh. Il faut deux témoins pour être Mehid sur le Ben Adam qui est Kacher. On peut ramener aussi plusieurs témoins pour être Mekayem. On peut ramener 5-6. Tu peux ramener 50 si tu veux. Non, mais Mekayem, hein, 5-6, 7-8-10. Pour témoigner. Ah, au cas où il y en a un qui n'est pas saoul. Ouais. Ben, comme apparemment, c'est exactement les mêmes dinim que Yedouta Khodesh. Ouais, ouais. Apparemment. Donc tout celui qui est bon, il peut voyager avec lui. Apparemment. Ouais. Kiata ou la Amar, Kitchoual Yahab et Maraba. Oula, il arrive en Babel et dit Rabotai, on était Mekadesh le Khodesh en Eretz Israël. Amarav Kana, l'omi ba, et là, la Gemara vient et elle amène un grand chidouche. Alors, on a vu que Edut Achodesh, il en faut deux. Edut sur les Edim, il en faut deux. Maintenant, est-ce qu'il en faut deux aussi pour aller en France et dire, on a été Mekadesh le Chodesh? Est-ce qu'il en faut deux aussi? Non, ça, il en faut qu'un. Kata ou la Amar, ki tchua le yacha be marava. On a été Mekadesh, la lune, le Chodesh, en Eretz Israël. Amarav Kana, l'omi ba ye ou la de Gabra Rabaou. Ne croyez pas qu'on croit Oula malgré le fait qu'il soit seul parce que c'est Gavra Rabba, comme il a dit Shait, peut-être qu'il est Shavé Shnaim. Non, des Meheman, il a filou inish des Mehalma, Nami Meheman. Même un type qu'on ne connaît pas, il est Meheman de nous dire en Eretz Israël, comme on avait vu hier, vous vous rappelez, qu'il a fait Yom Kippour, après il y a un type qui arrive, il dit c'était c'est demain. Pour être Mehid. Pour, s'il a porté le mot Mekoudash, il ne peut pas être Mehid, ça ne marche pas. J'ai pas compris. Il aurait dit qu'il fallait qu'il attend du Sanhedrin, qu'il a dit Mekoudash. Oui, mais il n'a pas besoin d'être connu. Ils n'ont pas besoin d'être deux. C'est le chidouche. Là, on ne parle pas de Mekoudash ou pas. On parle de est-ce qu'il faut deux ou pas. Et là, Filounish d'Alma, même si on ne le connaît pas, même s'il est tout seul, Nami Meman. Maïtama. Pourquoi ça? Depuis quand un seul est cru? La Gemara dit Kolmita David les Glouyel, l'homme Shakreba Inche. Tout ce qui est Atid Leid Galot, c'est-à-dire que Vadaï qu'on va s'en apercevoir. S'il est Mekoudash ou pas le Chodesh, c'est Atilid Galot sur ça, Bémet, un seul témoin, il est Neyman. Alors ici, le Rishonim lui demande, pourquoi Bémet on a besoin du Tam de Atilid Galot? Eh, de Khan Neyman Bessouri. Arrête de quoi, hein? Alors ils disent que peut-être on aurait pu croire que Chachamim ont fait une takana, que, exactement à cause de Tsukim, Tikkun HaMoadot, que ça, non, Bémet, on ne croira pas un seul, Kamash Malan. C'est pour ça qu'on a besoin de Atidid Galot. Quand d'abord chez Atidid Galot, alors on le croit. Pourquoi il y a des Hanéman Bissourin? Parce qu'un a protégé le lot, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous aurez attaqué à tout. Mais des Hanéman Bissourin, d'après toi, soit on l'apprend dans Gittin, on l'apprend de la femme, mais ça fera là que la femme, elle est némenée de dire je suis Théora, quand elle a eu ses règles. Et d'après Rachi, c'est une Svara Pshuta. D'après Rachi, il dit parce que si des Hanéman l'onéman Bissourin, je ne peux pas manger chez toi. Comment tu peux me dire que c'est caché? Si quelqu'un a un protégé le lot, ça ne sera pas ça. Ça veut dire que tu peux pas. Avec ça. On a pas un truc, on croit que. La dame protégée Lolo, ça veut dire qu'un type il fait pas une avéra s'il a pas d'ana. Non, moi j'ai aucune ana, tu veux dire que tu la veille. À cause de moi, non, tu as mangé à Kippour. Un baïtous, qu'est-ce que tu racontes? On aurait pu croire que c'est. Un baïtous, baïtous. Il veut tout casser, lui. C'est un baïtous. Et la bâtisse. Baïter. Tanana Meachi, Baïchal, Besof Aola, même s'il y en a un qui arrive du Groenland. Enfin, pas du Groenland, mais moi je suis au Groenland, déjà un Israélien qui arrive au Groenland. Véamar, Kitchou Bedin et Tachodesh, Neyman, même si je ne le connais pas, même s'il a il est inconnu au bataillon, il est Neyman. Barishona, Ayou, Mekabit, Edut Tachodesh, Mikol Adam. Avant donc, on était Bémen, Mekabel, Edut Tachodesh de tout le monde. Mais Michel Kilkulu à Abaytoussim, on a dit il faut que tu aies la carte pour pouvoir rentrer au Bedin. Tanoura Banan, ma kilkul, kilkilou à Baytoussim. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas machat, donc avant qu'il soit métaquette, pas machat, bikshu, Baytoussim, la tot et rachamim. Ils ont dit, on va leur faire un coup. Étant donné que Rosh Chodesh, ça peut tomber dimanche, ça peut tomber aujourd'hui Shabbat, on va aller être Mekadesh le Chodesh. Si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, Pessah, ça sera Rosh Chodesh. Si le Pessah c'est. Oh, j'ai dit n'importe quoi. Si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Shabbat, Pessah ça sera Shabbat. Si Pessah c'est Shabbat, alors le lendemain c'est le Homer, c'est Mimer Chorata Shabbat. On va dire qu'on avait raison, Bébé, la Torah quand on dit Mimer Chorata Shabbat, c'est le lendemain de Shabbat et pas le lendemain d'automne. Ça rouchne Bené Adam. Ils sont allés prendre deux bonhommes. Ils ont dit tu veux témoigner à faux? Bien. Berba Meot Zouz, chacun 200 Zouz. Echad Michelanou, Echad Michelahem. Le problème c'est qu'il y avait un espion, un mec infiltré, parti de la CIA. Il était
de chez nous. Le batch baitos, mais en fait, c'est un faux. Voilà. Chez la M.I.D. d'Utoveyatza. Le leur, il a fait ça et d'où il est parti. Le nôtre, en fait, il était infiltré, mais malgré lui. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il était infiltré. Le nôtre, chez la nous, Amroulo, est mort Ketsadraïta Telavana. Dis-nous un petit peu ce que tu as vu, la lune, comment elle était, machin. Amarlem, Olé Haïti Bemale Adumim. Je montais la montagne Amel Adumim vers Haïti, Shiouravouts Ben Shneslaim. J'ai vu la lune, elle était accroupie entre deux rochers. Rocho Domele Egel avait une tête de veau. Osnav Domine Gdi, des grandes oreilles. Karnav Domot les Tsvi, des cornes de cerf. Veznavo Mumechetlo Ben Erkotav. Ouais, mais Kitsour, il s'est foutu leurs trois. Alors il dit Veznavo Mumechetlo Ben Erkotav, il a vu, il avait la queue entre Erkotav, ses épaules, je sais pas comment ça marche. Veitzat Tibo, je l'ai regardé venir Tati. J'ai eu peur, Venafalti la Choraï, et je suis tombé à l'arrêt. Alors, Bémet. Je suis sûr que le marché a donné une voilà, chacun, c'est un remède, etc. En tout cas, il a voulu leur montrer. Je suis en train de raconter des histoires. Veimen Atema Minimli, si vous ne me croyez pas, Arimata Imzou, Sourimli Bessadini, Aroné Shabbat, il dit regardez, j'ai 200 shekels dans la poche. Si vous, c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Si Bémet, je n'ai pas la possibilité d'être Roser ou Maguide, et que c'est trop tard, comme ça ils expliquent les Acharonim, que je peux plus être Roser sur Maïdoud parce que vous me croyez déjà, alors sachez que de toute façon j'ai été Mechalel Shabbat, parce que j'ai 212 dans la poche, et donc de toute façon vous pouvez pas me croire. Amroulo, Miz Kika. C'est Michel. Hein Michel. Ah, j'ai aucune idée. Non, j'ai pas regardé. Ouais, mais je les vois, les 212. Ils sont là. Amroulo, Miz Kika, l'écart. Qui c'est qui t'a donné ces 212? Pourquoi tu as pris ça? Amarlem, Shamati, Shibikshu, Baitoussim. Il s'est sacrifié. Baitoussim, ils ont demandé à toi d'être Rachamim. Venez, on va leur faire un coup. Au Chachamim, ma marti, Elech Adi, je vais y aller moi. Veodialem, Shema Yavu, Bene Adam, Shena Meuganim. Je vais y aller, je vais vous dire, parce que j'ai eu peur que. Ils vont pas. Exactement. Veitou et Chachamim, mais ils arrivent à leur fin. Amrolo, Matem, Zouz, Netunemecha. Les 200 shekels que tu as reçus, cadeau. Bematana. Et là, ça veut dire quoi? Malgré le fait que tu n'as pas rempli ton contrat, cadeau. Pourquoi? Efker, Bedin, Efker. Le Bedin, il a le koar d'être Mafkir ton Mamon. Donc il est Mafkir le Mamon des Baitoussi, même si finalement il n'a pas. Fais ce qu'on a demandé. Vasocha Echa, et ceux qui t'ont employé, Imateach Alamoud, on va le mettre sur le poteau de flagellation, Beotacha, et on va le mettre des coups de fouet, Malkout. Beotacha, et Kinou, Shilou, Mikabin, et Lamina Makirin, à ce moment-là, ils ont été mis Taken, il n'y a plus personne qui rentre au Bedin si on ne connaît pas. Hein? Le faux témoin. Pareil, le faux témoin, il a été Ed Sheker, lui aussi, Malkout. Mishnah, Barishona, Yumassin, Mesuot, donc l'histoire avec les feux. Il faisait des feux, il n'y avait pas besoin d'enlever des shluchim. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y en avait un, il se mettait à Razetim, il faisait un feu. La montagne d'en face, on va voir, elle était à 30 km. À chaque fois, il y avait des intervalles de 30, entre 30 et 36 km, ça dépend d'après Repraimnaé ou le Chazonish. La montagne d'en face, elle voyait le feu, elle faisait un feu, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive en Babel. Donc, Barishona, Yumassin, Mesuot, Michel Kilkilou, Akoutim. Les Koutim aussi, ils ont trouvé l'astuce, ils ont dit ben, le jour où ils n'allument pas le feu, on allume nous le feu. Et comme ça, patatrac. Et qui nous chio shluchim yotzim. Et donc ils ont été betaken que les shluchim y partent. Hein? Ah chazak. Alors bemet, il y en a qui sont dehors ici pas koutim mais minim. Ou alors bemet c'était des koutim. Les koutim ça n'a rien à voir avec batoussim, tu as raison. Mais eux aussi, ils ont pris la tangente. Ketsan ayumasin mesuot. Comment ils faisaient pour faire le feu? En fait c'était des grandes torches avec des bâtons. Mevin klun saot shel erez. Ils amenaient des grands bâtons de cèdre. Avuchim. Long, des canim, des atse shemen, et du bois shemen, soit de l'olivier, soit du bois qui brûle bien, venoret shel pishtan, du lin, ve korer, ve mishra, il enroulait tout ça, ve mishra avec une corde, ve olé les roches à ar, il montait en haut de la montagne, matzit baen et ta ur, il mettait le feu à la torche, ou molir, ou mevi, ou malé, ou morit, il faisait une croix, il monte, il descend, il va sur les côtés. Pourquoi? Parce que il y a des de loin, tu vois, tu peux te tromper qu'une étoile, elle va dans ce sens. Tu peux te tromper qu'une étoile, elle va dans ce sens. Mais une étoile, elle ne peut pas aller dans ce sens. Elle ne peut pas faire haut, bas, droite, gauche. Impossible. Avec le feu, tu faisais ça? Avec le feu. Tu n'as pas le temps de faire visite à l'époque. Hein? Ça n'existait pas, quoi, mon cher ami. Ah, tu es où, Roé, Travero? Chez où, c'est Ken? Jusqu'à ce qu'il voit qu'en face...